bien se passer, hein. Bien se passer. Qu'est-ce qui est le plus ambigu? Moi qui me sape en femme dans ce bar? Ou toi qui me payes tous mes coups depuis tout à l'heure dans le seul but de me sauter par le cul après la fermeture? Bon alors comment dire? Oui c'est ça tout à fait. C'est comme s'endurer le corps de confiote et de se balader devant une ruche. J'adore trop ça. Trave, c'est vulgaire et ça m'exaspère. Travesti, c'est plus joli. Polo zizi. En effet, se travestir est totalement incompatible avec des petits trucs inutiles comme faire des pompes le matin, taper dans un sac de frappe, faire 3 km de natation, déplacer des charges lourdes, être bon au tir. Non, non, il n'y a aucun intrus dans cette liste. Bah dans ce cas-là, pour moi, le carnaval, c'est pas qu'en mars, et tant mieux. Autrefois dans les villages, il y avait le cirque qui venait, une fois dans l'année. Les gens étaient contents. Et tu sais quoi? Quand ils repartaient, les gens étaient encore plus tristes qu'avant. Je ne sais pas en fait. C'est différent et c'est déjà pas mal. Tu n'es pas différent, Forrest. Votre fils est différent, Madame Gump. Bah non, culotte. Oui, car le string, ça me la coupe en deux en plus. Je sais pas, c'est naturel. Et puis, grâce à eux, dans les concerts, je peux enfin voir ce qui se passe sur la scène. La question, elle est vite répondue, ami entrepreneur. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, hein. Bien se passer. C'est une question ou c'est un constat? Oui, c'est évident, je te confirme que ma simple présence est une menace alarmante. Certains ont un début de golem voyant et dans un survêtement, ça se voit vite. Donc si en apparence, ils n'ont pas l'air hostile, il y en aura toujours un plus ambigu que les autres pour envoyer sa meute à l'assaut sur Bibi. Faut trouver le leader. Ah pardon, c'est pas de ma faute s'il faut leur filer un manuel avant qu'eux t'enfilent leur enrichissement culturel par derrière. Comment dire? Tu préfères te prendre gentiment la tête avec un travesti qui est calé sur le sujet comme Bibi, ou avec un faux naïf qui ne maîtrise pas ces choses-là et qui lui les travestit? Mon humour fascinant. Toi, tu n'as pas dû voir ma petite vidéo sur la différence entre s'habiller en femme et pratiquer la sodomie de façon épanouissante. Allez hop, petit lien en haut à droite, c'est cadeau. Et oublie pas de me dire merci. En même temps, c'est dans ces moments-là que je me dis que j'ai bien fait de faire une chaîne pour expliciter cela en détail, et ce, sans forcer de façon insidieuse les gens à s'y abonner. Tu sais, je suis tombé dans le travestissement il y a plus de 25 ans maintenant. Et c'est tellement prenant qu'en un quart de siècle, j'ai pas trop eu le temps de rencontrer des femmes. Garçon, mais toi, apparaître fille, ça va pas être bien.
le truc que je t'ai dit juste avant, c'était pas par un mec bourré au fin fond d'une ruelle qui a eu une journée de merde. Non, c'était un gamin de 12 ans et c'était que le premier d'une longue série. Et pour certains, la vérité sort de la bouche des enfants. Et je te le confirme, en 5 ans à sortir tous les jours en femme, j'en croise de plus en plus. Bien se passer. Rien d'autre ? Non, non. Je peux. Oui, oui. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le bas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre non pas un doigt, mais un pouce vers le haut. Si vous avez bugué et ou que vous vous êtes senti ébranlé dans vos certitudes à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à le mentionner dans les petits commentaires. Normalement, après une telle vidéo, ça devrait bien charquer, et tant mieux. On vend pas du rêve sur la dite de Nantes, mais ça n'empêche pas de se marrer. Je peux, oui, je l'aurai un jour. Je l'aurai.